subventions d'investissement. 387 communes bénéficiaires de la deuxième vague. La deuxième vague de transfert de subventions d'investissement aux communes dans le cadre du projet d'appui à la performance du secteur public, PEPS, a été effectuée. Ces subventions de 15 millions d'arrières par commune doivent déjà être positionnées dans les comptes des différentes communes bénéficiaires à ce jour. Si l'an dernier, 999 communes ont bénéficié de subventions d'investissement de 15 millions d'arrières chacune, la deuxième vague de transfert de subventions aux communes dans le cadre du projet d'appui à la performance du secteur public a été effectuée tel qu'il a été annoncé par Balsam Njiatseyem, coordonnateur général du programme de réforme pour l'efficacité de l'administration, PREA, au cours d'une rencontre avec la presse. Pour cette deuxième vague, 387 communes ont pu bénéficier de ce fonds d'un montant total de 5,805 milliards d'arrières. Pour garantir une bonne gouvernance, un suivi du processus allant des transferts à l'utilisation des fonds sera réalisé et une collaboration avec le tribunal financier est établie. Anzara Manantsar, directeur général de la décentralisation, n'a pas manqué de préciser qu'il appartient à la structure locale de concertation de déterminer l'infrastructure à mettre en place. En tant que maître d'ouvrage, l'équipe de la commune doit être formée selon ses dires. L'objectif du PEPSP étant d'augmenter les recettes, les différentes innovations au sein de l'administration fiscale ont également été développées par Germain, directeur général des impôts.